Yo, alors, je suis de retour avec vous aujourd'hui. Attendez, je vais venir là. Voilà, c'est un peu mieux. Oui, je vais faire quelque chose que j'ai pas encore fait sur la chaîne. C'est un petit peu de rétro, alors sans très très loin en arrière, mais quand même quasiment 20 ans. Voilà, j'ai joué à GTA 4, 5, etc. Mais j'ai jamais fait. Vice City et San Andreas, que je possède sur PC depuis un bon moment d'ailleurs. Donc j'ai décidé de me lancer. Je sais pas si je ferai le jeu en entier, mais on va dire que ça sera une découverte de ce GTA 3. Ambitious girl, you're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the Red Light District where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Ça fait plaisir de te voir ici. This is Hit Radio, Love Media Station, just one of 900 radio stations, 300 TV stations, 4 network, 3 satellites, 10 senators. Thank you! Thank you! Hit Radio. You're listening to Hit Radio, the rock of Liberty City for 60 years. I'm DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rock and pop. It's Hit Radio. Trying to change your clothes.
same police. Me and him go back so I can probably get this to work. Come on, let's get around and get calm down. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Paul's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Cherchez Misty. Je peux récupérer simplement la voiture avec laquelle je suis arrivé. A better variety of weird noises between songs. The station your parents warned you about. More commercials, fewer songs. Bigger contests, more winners. Fewer positioning statements. Luigi said to give you this, so here, take it. This is Luigi. How are you? Goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ouais, c'est comme j'ai mis dans le titre, j'y ai jamais joué, donc... J'ai trouvé... Comme quoi, le syndrome cyberpunk qui date pas d'aujourd'hui. On peut juste passer à gauche, hein, mais non.
turnips. Yum, yum. Buy genuine reproduction medieval artifacts, including maces, double-handed battle swords, and one-size-fits-all chainmail. And this weekend only, pick up an authentic... Il m'explose les oreilles, le son du jeu. C'est marrant parce que tu vois, ce matin, le son de Tell Me Why, ça allait. Je pense que si tu passes juste dans le PC là, ça va. Ouais, c'est ça, la musique elle est vraiment très forte. Ouais, je disais, tu vois, de base, le joystick droit il marche pas. Ah bon, attends. Tonight, the TV event that will make history. Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's the reality show where you just might be part of the action. I was grabbing a sandwich at the Happy Blimp, and all of a sudden these guys crashed through the window and started shooting at each other. I was so excited, I didn't even notice I've been hit. After that, I was hooked on Liberty City Survivor. I watch it every day in the hospital. The game doesn't end until there's only one man left standing. Tune in nightly or watch the 24-hour live webcast of Liberty City Survivor. Natural selection has come home. Sponsored by Ammunition. All right, we're back on Chatterbox. Call us on the chatter line and tell us what's on your mind. Line 4, you're on Chatterbox. What's on your mind? Liberty City cocks rule! Ah, that's lovely, thanks. Next caller, you're on Chatterbox. That last guy was so full of crap. Everyone knows women are made from sand. Okay, great. Another lunatic. Hello, next caller. You are on Chatterbox. Yeah, you were talking about short guys and attitudes. Well, you know, you'd have an attitude, too, if you couldn't reach the friggin' cheesy squirrels at the grocery store. Yeah, I mean, sometimes it seems like the whole world's against you. I mean... You know, we're not talking about you. What kind of egomaniac are you? You got your own show. How about letting other people talk for a change? You're all the same, you giant. Oh, I'm tall. I'm so important. Listen to me talk about my tall stuff. I think I'll put this on the top shelf. Hey, what's the weather like down there? How's it going, short stuff? Can you get that? You're closer. Si, elle était... Why so sad, Pee-wee? Who do you think you are? Short people are people, too. All right, another award-winning show on Chatterbox. Today we're talking about anything, it seems. If you have something to say about anything, call now. Hello, caller. You're on Chatterbox. Yeah, I love the show. Love hearing people's opinions. That's what made this country great. People, opinions, and stuff. Most of all, guns. I had it with people whining about gun to kill. C'est rigolo parce que du coup, si j'utilise pas la caméra, il se retourne pas. Là, sans strafe. Watch it! Kick my ass!
It's commercial. And pop fluff in between. Les couteaux sont plus solides que dans ça. Hey folks, it's Andy, riding on the Lips 106 airwaves. Today, I'm gonna play you some sassy ladies from the 70s, 80s, and 90s. Here's a taste for you. Le 5, je l'ai déjà fini 3 fois, mais j'ai jamais fini le 3. J'ai joué au 3. Comment ça va, Benji? Bah en fait, j'aimerais bien peut-être faire Vice City. Liberty City, t'as fait? Celui qui était sur PSP? Ouais, ça va, super. Merci, merci. Non, si j'arrive à accrocher à celui-là et que je trouve le courage, je ferai bien justement les trois qui sont sortis sur la PS2. Le 3, Vice City et San Andreas. San Andreas, j'y avais déjà joué pas mal, mais... Alors ouais, j'ai les deux premiers PS1, PS1 et du coup PC aussi, mais j'ai jamais essayé. Mais vu du dessus, comme ça, là... Déjà ceux-là, ils ont vieilli, alors... Les deux premiers... Yes. Bon, je m'acquiesce là. Bon, je l'ai un peu abîmé, mais c'est pas grave. J'ai tellement envie de le retrouver, tu sais, ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'est buggy dessus. Déjà là, au moins en 1080. Ça lisse quand même les graphismes. J'ai expliqué, j'ai trouvé un petit patch pour que ça roule, ça marche bien à la manette parce que la configuration manette était horrible. Oui, c'est ça. Ouais, tu vas te faire engueuler, toi. Axel de Zelle, c'est une fille, pas un garçon. Voilà. Et hop, j'écrase des gens au passage. Commence. So I'm sitting here reading the Ah, c'est moi, t'écris AXL comme Axel Rose alors. Si tu veux vraiment mettre en langage SMS. As police chief Gary Shaver was cleared of corruption charges in a controversial decision by the courts. Let's hope those missing witnesses turn up safe and sound. Lips 106. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Ouais, c'est ça. Il a fait une Samir, exactement. Qui ça? Là, c'est ça. Yes. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. Ça arrive, t'inquiète, ta formation. For you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8-Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8-Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be eating forever. Vachement habillé quand même la caisse.
she smells like a real monkey. And for kids, a life-size, living, breathing, springy monkey. All available at pogothemonkey.com. Les deux, trois derniers. C'est-à-dire, t'as, t'as fait les 4 et les 5, c'est ça? Enfin, moi j'ai fait 4 avec les deux extensions et j'ai fait le 5. C'est l'inverse, tu veux dire que les récents, t'as jamais eu le courage de les finir alors que les anciens, tu les avais finis. Dans combien de siècles ils vont sortir le 6? Oui, c'est ça, dans combien de siècles? Radio at its best. Hey, this weekend, if you want to dance your ass off, check out Sex Club 7 for some steamy, hot trance music. Le 5, tu l'as gratos, mais pourquoi je vais finir? Ah, je dis, moi je l'ai fini 3 fois, j'adore ce jeu. Enfin, j'adore le scénario en tout cas. Ah, si, si, c'est vraiment cool. En général, je trouve que tu mets le son du jeu fort par rapport. Ah, j'ai vachement baissé pourtant. J'ai énormément baissé le son du jeu là tout à l'heure. Parce qu'il... GTA il gueule. Je peux encore le baisser. Hop. Voilà. Ah oui, je suis hyper loin du micro, mais normalement il capte bien. Et non, concrètement, GTA, le volume de GTA est très très fort. Où est-ce que c'est mieux là? Music on the Lips 106 Expressway to Hot Music. Coming up next, it's Andy's short hot mix when we play one. Mais c'est ce que j'ai, hein. J'ai un super bon micro. Un bon micro sur bras. Bah, tu l'avais vu la dernière fois. Remember, Lips 106 is the home of. Non, pas vraiment. Ah, je l'ai. Hop. Et c'est de 20 dB là le jeu. Alors c'est ce que je faisais au début, mais c'est hyper relou et surtout ça fait comme tous les streamers qui ont la perche à micro qui cache la moitié de leur caméra, c'est chiant. Il est juste là sinon. Ah, et puis en général, quand je regarde mes VOD, je trouve qu'on entend vachement bien. Ouais, mais c'est juste qu'il faut... Mais ça qui est chiant, en fait, il faut que je m'adapte au jeu. Mais il n'y a que vous qui pouvez me le dire, en fait. Ou alors, faut que j'enregistre d'abord pour tester le son, quoi.
Attends, je comprends pas. Je vais revenir. Je devais pas la piquer la bagnole, je devais juste la faire repeindre, c'est ça? Apparemment. Si tu le mets plus vers le bas, de quoi le micro? Là concrètement, il est en dessous de mon visage. Ouais, bah là, enfin en plus, je joue loin là, comme je suis à la manette. J'avoue que normalement, si je joue au clavier, il est beaucoup plus près de moi. Normalement, t'as moins le souci. Là concrètement, là où il est placé, je peux pas trop. Attends, est-ce que je peux réussir à le baisser un peu ou pas? Hop. Hop. Voilà, là c'est un peu plus près. Voilà, c'est plus propre. Bon, est-ce que c'est un peu mieux? Cet orage. Ma voix fait de l'écho. Re, ça y est, t'es revenu de ta balade, Ryu. Hey Vinny, comment ça va? Ah, tu m'étonnes, mais comme je disais, moi je l'ai jamais fait, donc j'essaye. Je suis pas sûr de le faire en entier, hein, mais... pas accès à la map entière. Voilà. Oh, possibilité. 2 heures de marche, ah ouais, je m'étonne. Ouais, bah c'est. Alors, c'est ce que j'aimerais bien faire. Essayer, pour une fois, parce que je les ai jamais vraiment fait les épisodes PS2, de faire le 3, Vice City et San Andreas. On verra bien. Déjà, si j'arrive à aller jusqu'au bout de celui-là, je serai fier de moi. Non, mais là, c'est chiant, là. Mais on pourrait pas faire les musiques de Dieu, de DMCA. Quoi ce bip? Ah, mais il fallait que je fasse quoi là? Je sais même pas ce que je dois faire. Je peux pas pouvoir écouter la radio. Ah, normalement je peux pas, tu crois? J'avais même pas fait gaffe que c'était chronométré leur connerie. Chier là. Tant pis. Ça manque d'infos quand même hein, sur ce jeu. Tu sais pas ce que tu dois faire. Ouais, j'avais un écho résonance. Ah oui, oui, c'est ça, c'est la pièce, ouais. Ok, ça marche. Moi qui te perturbe. Non, en fait, j'ai pas fait gaffe que. Tu vois, j'ai ramené la bagnole là où il m'a demandé. Pour moi, la mission était terminée. Je voyais pas où je devais aller parce qu'il y avait plus rien sur l'écran. Donc. J'ai pas cherché plus loin, et là j'entends un bip, trop tard. Vice City et San Andreas, je sais pas trop, faudra regarder sur Google. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Et pour le 3, normalement, oui? C'est ça? Le 3, ça fait chier? Oh, ça va, je touchais pas le poteau, là. Ok, ça marche, c'est cool. C'est le premier GTA du genre, du coup, il paraît plus brouillon que les suivants. Oui, 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 effectivement. Quoique, je trouve qu'on est très très proche de Vice City, quand même. San Andreas avait step up un petit peu, quand même. Et encore, comme je disais, hein, là j'y joue en 1080. C'était pas le cas sur la PS2.
malheur. Il faut que j'intercepte le gars, là. Oui. Bonjour. Hey. Bonjour, comment ça va? Il joue? Ouais. Je suis en live sur Internet, là. Ok. Bon, par contre, c'est d'abord dans l'âme que je t'annonce qu'on a perdu le flic. T'as vu que j'avais changé mes émoticônes, tu as maintenant accès à moi en Tanuki et Peach. Axel, il y a Vinny qui te dit bonjour. Vinny me dit bonjour. Bonjour Vinny. Attends, je peux apparaître. Là, coucou. Voilà. Attends, c'est où la caméra? Non, c'est bon, là-haut. Là-haut. Là. Ah, là. Bonjour, vous allez bien? Ouais, et... Le téléphone avec sa maman. Il a pris un peu trop le soleil. Mais il va repartir. Moi, je vais aller chercher un flingue déjà. Ok. Allez, klaxonne là. Alors les subs ça monte, bon pas énormément, mais il y a quelques resubs pour le deuxième mois, mais sinon non, pas énormément. Il y a des jolies fringues les gars. T'as des subs payants un peu genre Prime? Ah oui, non mais j'en ai. Je dois avoir une cinquantaine d'euros de sub entre Prime et laisse-moi rentrer, sale con. Entre les Prime et les payants. Allez, laisse-moi rentrer. Tapez. Ok, épuisé, bon, vas-y, je prends ça. C'est quel bouton? Pourquoi stock épuisé les deux? Bien leur truc. Dégage de la porte, toi! Je peux plus ressortir. C'est la merde. Je viens par faire fortune. Oh, fortune, non. Merci Vinny pour ton prime. Putain, c'est chiant là-haut. Ce qui est bien, c'est qu'un jeu qui est sorti il y a 20 ans n'est toujours pas corrigé de certains de ses bugs. Pas le bug. Pourquoi il me dit stock épuisé, c'est chelou quand même. On va aller voir. On va aller voir là-bas, je trouverai peut-être un flingue sur place. C'est vrai que Vice City est sorti pas longtemps après. Et bim. Ouais, mais bon, le jeu est sorti, je sais, il y a quasiment 20 ans et on est sur PC là quand même, il aurait pu avoir des updates. Déjà, j'ai été obligé de mettre un patch pour que la manette elle soit vraiment bien gérée. Bizarre. Ah d'accord, c'est... Ah ouais, mais ouais, comment tu veux que je le... Comment tu veux que je le bute sans flingue, lui? C'est comme ça, hein, mais bon. Ah, dommage.
Alors, on the other hand, Skin can feature music owned by someone else, for instance, Grand Theft Auto radio station. Other music plays in trailers and cutscenes, the game's developers were given a license to use it, but they cannot pass that license on streamers. Ouais, ok. Bon, on verra. On verra. Ah oui, pardon, j'avais pas vu Ryu, tu vas te faire à manger. Ça marche, super. Ouais, bon, de toute façon, on verra. Après, c'est pas très très grave. Au pire, je garde pas la VOD et puis c'est tout. Tant que c'est en live. Par contre, je vois pas où est passé l'emote que je viens de débloquer. Ah ouais? Monsieur Blandide, alors non, on n'est pas encore allé. Il faut qu'on reprenne, effectivement, qu'on aille faire un tour au niveau de l'étang. Chelou, Benji. Attends. Celle que tu as utilisée juste avant, hein, celle-ci. J'ai mis deux fois. Ouais, normalement, quand tu cliques sur emote, tu devrais l'avoir facilement. Bon. Ah, le réflexe. J'ai envie de courir en appuyant sur le bouton du joystick. Bah ouais, ouais, c'est chelou. Passe-moi ton van, toi. Ah, what do I do? What do I do? J'ai pas envie de rentrer à pied, écoute. Tout simplement. Donc, je prends ton van. Hop. Allez. Redis-moi un petit peu tout ça. Je me demande si c'est pas juste parce que j'ai pas l'argent d'acheter les flingues, je sais pas. On va réessayer. Tu vas ? Et ça marche. Dans San Andreas, il y avait des missions mortellement prises de tête et galères, folie, genre celle des missions véhicules miniatures téléguidées à faire. Un de mes jeux favoris, le San Andreas, d'accord. Ah bah écoute, de toute façon j'essaierai. On verra bien. En fait, c'est dommage qu'ils aient pas mis les versions... les contrôles qu'ils ont adaptés pour Android. J'ai San Andreas sur Android, et les contrôles étaient plutôt bien adaptés. On peut y mettre une manette. Enfin, quand j'y jouais avec ma manette Xbox sur le téléphone, t'avais des... Comment dire ? T'avais un maniement moderne. Est-ce que je peux avec Steam, c'est-à-dire... Là, je suis sur Steam. Là, si on aurait une map grande avec plusieurs villes, c'est pas si dans. Waouh, ça serait génial. C'est vraiment génial. Les trucs numériques sur le stick. Alors là, c'est ce que je disais. J'ai mis un petit patch qui me permet effectivement de faire apparaître déjà les boutons Xbox. Et d'utiliser le joystick droit pour la caméra, ce qui n'était pas le cas d'origine avec les réglages PS2 ou même les réglages PC tout court. Et allez, hop, je vous écrase. On peut peut-être passer par l'arrière et... Ah mais... Putain, genre les gars, sérieusement? Ok. La vue et le mouvement. Bah là du coup, alors en voiture non, mais regarde, tu vois par exemple là,
Là, j'utilise vraiment en bougeant le joystick. Hein. Ça, c'est cool. Parce que sinon, normalement, quand tu bouges le joystick droit, tu passes en vue caméra. Et par contre, bah, du coup, sur le joystick droit, je suis en mode strafe. Il faut vraiment allier les deux, hein, mais au moins, c'est quand même beaucoup plus jouable que ça ne l'était quand j'ai testé au début sans patch tout à l'heure. Bon, c'était juste horrible, en fait, c'était injouable. Alors, c'est comment de tirer... Bon, d'accord, attends. Ah, dommage. C'est pas évident, par contre, parce que... Ah, pour tirer, c'est hyper chaud. J'aurais dû rester sur ma technique de la bagnole, c'était pas si mal que ça en fait. Donc là j'étais dans un environnement un peu mieux, un peu plus ouvert pour les écraser. Je prends une voiture de flic, ambulance, peut-être pas. Hein. Le pick-up là. Bonsoir. Et hop là. Et ouais, non, sur la version Android est beaucoup plus maniable. Troisième fois qu'on voit, on a compris. Oui, oui, oui. Oh là. Un petit peu trop vite, ça a drifté. Le flingue. Là, j'ai pris cher ma caisse. Yes, voilà. Enfin, il a des flingues et tout, je les prends. Je vais même prendre leur caisse, les mieux. Comment je réponds à ce beeper? Non, c'est juste que, ok, ça a débloqué des trucs. La mission est réussie, donc il n'y a pas besoin normalement de repasser tout de suite chez Luigi. Je vais peut-être, alors je sais pas si ça marchera, mais je vais retourner à ma planque pour sauvegarder la voiture. Et où l'entrée? Elle est plus loin. Je vois pas le passage. Ouais. Oh putain. Ah non. Putain, si, il est là. J'ai des armes, hein, maintenant. Oh yeah.
Nut. Be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball, they'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Moins de 4 filles qui bossent au bel, Luigi va pas être content. Celle-là de station que j'aime bien moi. Ouais, alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas streamé, mais oui, j'ai un Oculus Quest 2. C'est vrai que je continue Half-Life Alyx d'ailleurs. Ça serait plutôt bien. La bonne chose. Je dois aller chercher toutes les filles d'abord. J'ai demandé pour savoir si c'est bien Alyx dessus. Alors après, Alyx ne tourne pas nativement sur l'Oculus Quest 2, mais j'y joue relié au PC. Il y a des jeux d'horreur de fou aussi à try en stream. Toi qui fais partie de la team hier, tu dois le savoir, mais du coup j'ai testé Phasmo. En VR. Je trouve ça trop angoissant en VR. Mais après je suis pas hyper fan des jeux d'horreur, donc je crois pas que je m'amuserais à les faire en VR. Sur Phasmo ça va parce que le jeu est lent. Par contre la première fois que j'ai fait un jeu VR sans utiliser la téléportation, vraiment avec des mouvements on va dire naturels, c'était sur le Star Wars Tales of the Galaxy's Edge. Et ouais, franchement, ça m'a retourné le bide, quoi. Coucou, Angie. Un jeu VR à faire, c'est... No Man's Sky, c'est vrai qu'il se fait en VR, t'as raison. Ah, pas pensé. Il y a un autre truc que j'ai téléchargé que j'ai pas encore testé, c'est Star Wars Squadron. Que Squadron, autant le jeu en lui-même ne m'intéressait pas, qu'en VR, ça peut être super sympa. Ah, il se fait à 4 en multi. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est ça, Squadron en VR, ça peut être vraiment cool. À jouer à la manette ou à la souris, bon, je m'en fous. Mais ouais, je l'ai téléchargé, là, vu qu'il est, il est inclus dans le Game Pass maintenant, là, depuis qu'on a les jeux EA. J'aime voir ta tête en petit Tanuki, proté. Mais oui. Trop bien cet emoji, c'est pour ça. C'est comme le jeu VR. Alors, je pose parce que bon, la conduite et lecture de chat, c'est toujours un peu compliqué. C'est comme le jeu VR Shoot de CP. Hein ? Oh là, j'ai pas tout suivi. Ah, de coop, peut-être. Hein ? Squadron 42, je connais pas. Je connais pas du tout, tiens. Ah bah, j'irai jeter un œil. Tiens, un œil, bah attends. Ne bouge pas la manette. Allons voir ça. Donc, ah si c'est bon. Et tiens, c'est marrant, c'est un écran noir. Squadron 42, tu me dis. On va voir si c'est ça. Squadron 42, une sorte de coral. Et petit teaser. Teaser qui fait mal à la tête. C'est de ça que tu parlais, c'est bien ça. Joli déjà.
D'accord, ok. Non, j'avais essayé les diverses démos de, du petit jeu cyberpunk, un peu du petit jeu lo-fi. Lo-fi, l'ambiance est chouette, pour l'instant, bon, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à y faire, mais ça peut être prometteur aussi, comme jeu dans cette ambiance-là. Il doit y avoir des phases de shoot sur Google, ok. Ouais, parce que là, c'est effectivement que de la cinématique, visiblement. Ouais, très joli. Très joli. Genre de gameplay. Ouais, il est joli, hein. Ah, tiens donc. Mais c'est Wing Commander 30 ans plus tard, ton truc. Mais tu vois, il est écrit que c'est Mass Effect Wing Commander, oui. Mais tu vois, il est écrit Star Citizen. Est-ce que c'est avec le moteur de Star Citizen? Attends, oui. Elliot, il a quoi, 10 ans? Pas encore, non. Presque 8 ou 9. Il va avoir 9 cet été. Et Léo? Léo, elle a 13 ans, ouais. Elle est en train de proposer des maillots de bain. Elle a proposé des maillots de bain. Désolé, ref. Ah bah oui, ça passe trop vite. Ouais, parce que là, c'est pas... Tu vois, il y a écrit Squadron 42, mais il y a écrit Star Citizen, donc c'est là où je suis un peu confus. Ça doit pas être la même chose. Hop. C'est dingue, ouais. J'avoue. J'avais vu les photos qu'avait postées ta sœur là de Kalia, j'ai halluciné. Le gameplay c'était en VR, je pense, ou avancé. Ah, c'était dans celui-là. Mais c'est quand même lissé et lié à Star Citizen, du coup. D'accord. Campagne solo de l'univers de Star Citizen dévoile sa version pré-alpha. D'accord, ok. Ok. En tout cas, c'est très joli. Je sais pas si ça me plairait, mais ce serait joli. C'est dans son... Ouh. Faudrait que je reprenne aussi certains jeux sur la PS4 là aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que. Ils viennent d'offrir Horizon Zero Dawn Complete Edition. C'est bien, j'avais la version normale, j'avais pas les extensions, donc pas très bien. Et bon, Days Gone aussi ce mois-ci, mais je l'avais déjà. Ouais, mais du coup, voilà, j'ai pas fait les extensions, j'ai pas nettoyé la map concrètement, donc peut-être que je le reprendrai. De toute façon, depuis que j'ai la fibre, permis en téléchargement direct. Avec les 900 mégas de connexion, je suis assez pépouze. Ouais, non, tu vois, il faut que je fasse une fille à la fois. Je vais tester ta nouvelle config. Ah oui, sur OBS. Resident Evil Village. Alors, ouais, je sais plus pour quand il est prévu, mais là, ça approche. J'avais vu la démo. Mais qui au début était
PS5. Bon, tu vas voir que la mission, je vais la louper parce que j'ai trop traîné encore. Non, je veux tourner à gauche, moi. Hop là. Une pute. Bonne radio électro qui va bien. Une bonne voiture celle-là. Bah oui, c'est pour ça que je lui ai piqué. Ok, peut-être. Peut-être PC que le PlayStation Now. C'est quoi pour Resident Evil? Après, je te dis, la démo était sortie exclusivité PS5, mais le jeu, il est prévu sur tous les supports, je crois. Je pense, hein. Il y en a une juste là. Moi j'ai pas trop loin à aller. J'en ramène combien il a dit? 4 au moins, hein, c'est ça. Hein. Allez hop! Abîmer mon capot. Enfin, toi je vais t'abîmer aussi. J'irai faire réparer ça plus tard quand j'aurai des sous. Wouhou! Aussi cette chanson. J'aime bien les sons 80s. Pas faire un gros demi-tour en burn-out avec le frein à main, dommage. À 45 secondes pour la dernière, ça risque d'être chaud. Seconde. Dégagé. C'est mort, tant pis. Échec de la mission. Ouais, d'accord. Bon, VR, je vais tester plus de casque. Si je peux cette année, j'ai envie de m'y mettre, vu que je vais changer de carte graphique. Toujours eu bon goût. Bon goût par rapport à quoi? Ah, pour la musique. Ah, par contre, c'est vrai que la caisse, elle est bien. Hein. La voiture là, comme ça, hop, prête à partir. C'est quoi comme carte graphique? Moi j'ai une
5600 XT. M'en fous, tombe là-bas, toi. Non, bah non, ça va, c'est une grosse carte quand même. Ouais, c'est équivalent à RTX 2060. En plus, depuis que j'ai la fibre, je peux utiliser Virtual Desktop vraiment sans problème. Donc du coup, j'ai plus du tout de latence si je joue sans fil. C'est génial. Enfin, franchement, c'est trop bien. Parce que le câble USB, c'était pas terrible. Ça avait tendance des fois à se déconnecter. Donc, je l'ai retesté ce week-end sur Alix, justement. Ah, ça tourne du feu de Dieu avec la fibre. C'est trop bien. C'est un des gros avantages du Quest déjà, c'est de ne pas avoir de fil et de pouvoir pareil utiliser les jeux PC sans fil aussi. Excellent. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais aller directement vers je vais prendre la première ici. Je vais aller tout de suite vers la salle et je vais rester dans ce coin là. C'est par là. Yes. Petit raccourci. Et de une. On avait une juste là. Comment elle va ta mère? Je lui fais un bisou de ma part aussi. Oh, tu m'étonnes. 20 kilos en plus, enfin même 25 kilos en plus et des cheveux en moins. Et surtout 20 ans de plus quand même. Merde. Mais sérieusement, il n'y en a pas juste là. Ouais, allez hop. Oh putain de... Il ne voulait pas sortir de la voiture. Et pas ce qui était prévu. Pardon la police, pardon. Je déteste ce principe de carte où tu vois pas vers où tu vas quoi. Elle doit se faire opérer de la hanche, prothèse, et puis pas mal de soucis, entre autres une famille de rats. Dans le moteur de la voiture. Ah oui, qui ont mangé les filles. Ah d'accord, bon, ça n'a rien à voir avec la santé de ta mère, mais effectivement, c'est d'autres problèmes. Enfin bref, des frais à faire pour une voiture neuve. Ok. Bah écoute, bon courage à elle pour l'opération déjà.
La voiture, c'est que du matériel, c'est pas très grave. Tout le monde. Pardon, pardon, la police. J'ai chopé 2 étoiles. Et 4, non ? Pas 4 ? Oh non, si c'est 5, je suis foutu. Ouais, c'est de voir là-bas. Ah, super, il y en a une juste là. Bouge là, toi. Mais... Bah, c'était sûrement le plus possible pendant le temps imparti. Voilà. Peut-être aller faire réparer cette voiture. Moi, je ne vois pas le garage. Oh, push it to the limit. Ça, c'est les... Oh, la carte. Il n'y a pas l'air d'avoir accès à la carte. Hein. Pas normal ça. C'est pas. Sauvegarde un moonwalk. Oh yeah. Bon, on voit apparaître les petites notifs Steam. C'est chiant là les. Regarde, tout ça, ça repop systématiquement en fait. Nul. Ah bah si, ça marche ça. Juste la foutre dans son garage et enregistrer, ça répare la bagnole. Hop. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of.
I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8-Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8-Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. Ah, bah voilà ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Fallait juste rester tranquille et attendre que la bagnole explose. Putain, c'est nul. Bon, pas que je reste trop près de la bagnole. Wow. Pas sur la même musique là. Voilà. Arme la bombe avec B, elle explose le démarrage. Ah, faudra que je l'arme, d'accord. Pourquoi c'est important de lire un petit peu quand même les informations qu'on nous donne. He's on fire. Been on fire. Put your head stuck in the 80s. Flashback, 95-6. A good shoe starts from the ground up. Paris, we make high quality. J'arme la bombe. Je bouge ma caisse parce que je ne veux pas qu'elle explose. Celle-ci, je l'aime bien. Je me mets là, ça va? Voilà. Attends, bébé Yoda. Il est là. Petit gros goût. C'est un télécommande celui-là. Il roule, il se déplace dans la baraque, il cherche. Mais il y a celui qui parle aussi qui est excellent. Enfin, qui parle. Ça bouge et tout. Non, alors je l'ai eu à Noël par ma chérie et ses parents et elle l'a pris sur le net. Mais ouais, j'ai un pote qui a le un peu plus petit, qui a le visage animé et qui est vraiment super beau. Je crois qu'il fait vraiment chaud, hein, parce que juste avant, la nana, elle était on fire, celle-ci, elle est hot tonight. Allez, encore une mission. Après, je reprendrai peut-être tout à l'heure, mais... Ah, je commence à rentrer dans le truc, ça va. Chang is pushing Spank for some new gang from Columbia or Colorado or something, I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If
you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Ça marche. Un truc à l'époque que j'ai failli faire, c'était de rejoindre la 501e compagnie ou un autre groupe Star Wars pour faire des events Disney et autres quand j'étais sur Nice. Il manque le Covid, il se casse. Ouais, tu m'étonnes. La mise sur Paris qui peut aller plusieurs fois par mois avec son pass. Oui. Bah nous, du coup, Axel, elle a aussi le pass Infinity. C'est plus simple pour quand elle vient me voir ou autre. Elle peut venir quand elle veut, quoi. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Dans la ruelle. Ouais, vas-y. Il veut combien? Il faut le prendre quand? De quoi, le pass? Le pass annuel? Ou juste un billet? J'ai pas fait le pass, mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de virus, je me serais peut-être laissé tenter. Le pass pour toi? En tant que cast member? Le truc VIP Max est à 400 et quelques, mais tu peux le prendre en mensuel. C'est où l'autre? Vers là-bas. C'est barré en caisse. Ah putain de sa race. Vas-y, vas-y. Hop. Passe-moi la place. Ah, il est en train de faire demi-tour. Non, non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Espèce de connard, mais non. Comment prendre ta caisse? Choper. Ah bah oui, voilà. Bah concrètement, ça dépend ce que tu fais, quoi. Je vais sauvegarder. Je vais arrêter pour le moment. Je vais préparer à manger. Savoir faim. Sauvegarder. Ah, j'ai peur que je perde la voiture, mais bon. Bud Spencer. Ah. Allez hop. Mais non, concrètement, c'est faisable. Hein. Après, ça dépend dans quel métier tu veux bosser. En plus, si jamais tu veux rester genre dans la maintenance informatique, etc., on s'en fiche, tu serais backstage. Ça dépend vraiment ce que tu aimerais faire comme travail, quoi. La cam, elle est toute de traviole, là.
Non, concrètement, c'est faisable. Il n'y a pas spécialement de soucis par rapport à ça. Oui, bien, jeunes gens, je vais vous laisser, en tout cas pour l'instant, et faire à manger. Je ne sais pas encore si je restreamerai ce soir et si je streamerai sur la même chose. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais continuer. Ouais, je pense que je vais avancer un peu quand même dans GTA 3. Voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard, les copains. Ciao! T'as pas fini de manger, tu continues. Regarde une rediff. Allez, à plus, les gars. Ciao.